Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Dans 2 minutes, on commence le cours et je vais présenter un peu ce qu'on va faire. Je vous laisse vous connecter, vous poser tranquille. Pensez à prendre à peu près 6 mètres carrés à la maison, d'accord? Bon, si vous êtes dehors, je pense qu'il va faire froid, mais vous pouvez le faire aussi dehors. Sinon, je vais faire le cours sur 6 mètres carrés. Allez, on se voit dans 2 minutes. À tout de suite. Bonjour les amis. Voilà, comme je vous avais promis, je vais faire un cours en live de Kung Fu. Ce sera pour tout niveau débutant, donc c'est un petit peu dur pour les débutants sur quelques mouvements, mais ça ne vous empêchera pas de regarder à nouveau le cours. C'est plutôt au niveau intermédiaire. C'est la machine de travailler un petit peu. Il y a aussi des exercices pour vous, ne vous inquiétez pas. Donc j'espère que vous allez bien pendant cette période. Donc, vous savez que le club est fermé, donc encore pendant 2 semaines. Pour le déconfinement, mais à mon avis, on ne le verra pas avant début janvier. Donc, j'espère qu'on va tenir ensemble. J'ai préparé des autres cours sur YouTube que vous aurez accès quand vous voulez. Donc, échauffement, j'ai fait des enchaînements qu'on verra ce soir. Vous pourrez les revoir sur le cours que j'ai préparé. Et ensuite, j'ai préparé aussi tous les Tao qu'on voit dans la ligne. D'accord? Donc, comme ça, vous pourrez prendre de l'avance un petit peu. Au moment où on se trouve. Allez, on va commencer le cours. Donc, on commence par le sel. Chérie. On écarte les jambes, la tête, pas trop du haut vers le bas. On descend bien le menton vers l'épaule. Ancien. Changer le sens. Les épaules, on monte et on descend. Cercle avant. Arrière. Bien sûr, les épaules, coude avant. L'arrière. On tend le bras, les deux bras vers l'avant. Vers l'arrière. Sur le côté. Haut. Dans les bras, les poignets. On change de sens.
On jette les doigts. Les griffes. Et on relâche. On écarte les coudes deux fois. On tend les bras deux fois. On les croise deux fois. Et on monte deux fois de chaque côté. Coude. Pas tant de pied. On tourne le corps en levant le talon. On fait deux temps sur chaque côté. On tourne bien la tête. On relâche les bras sur le corps. Mains sur les hanches. Tournez le bassin. Changez de sens. Sur le côté. On tend le bras. Mains sur les genoux, petit cercle. On change. On serre les pieds. On change. On appuie sur les genoux. On plie plusieurs fois. On plie complètement. On pose les talons. On les lève. Et on se redresse les poignets et la cheville. Avec le même pied, changez de sens. Changez de pied. Changez de sens. La vague. On détend les jambes. Et on sautille. Alors, j'ai prévu un cours sur 6 mètres carrés. D'accord, normalement on ne fera pas plus que ça. Donc on va essayer de travailler le Kung Fu sur 6 mètres carrés dans votre salon, par exemple. Les deux pieds. Bras de côté. Première posture de combat. Plie bien les jambes, on rentre le ventre, on monte les épaules. Changez de garde. Changer, on sautille, on change, alors on tourne un petit peu, on imagine quelqu'un devant, très bien, alors on va commencer l'échauffement, donc selon le niveau, vous en faites plus ou moins, d'accord, j'ai essayé de faire l'exercice pour tout niveau, mais si vous sentez que vous pouvez faire une partie de la série, ne soyez pas frustrés, faites la moitié de la série. D'accord? Et vous attendez la fin du comptage et vous passez à l'autre exercice. Alors, on commence, on sautille. On va bien penser à la respiration. On sautille au moins une minute. Normalement, quand on court 2-3 minutes, il faut bien sautiller. Comme ça, on dilate les veines et les artères. Ça permet au sang de circuler un peu plus et donc à l'oxygène aussi de circuler. D'accord? Alors, on lève les genoux. Talons aux fesses. Pieds de côté. On sautille. À mon signal, on plie les jambes. Flexion.
Le signal saut tendu. I. E. San. Se. Le signal talon sur le fessier. I. E. San. Se. Au signal, flexion, extension. I. Alors. Cinq. Se. Au signal, accélération sur place. Le deuxième signal, je mets les mains au sol, je mets à plat et je remonte. I. Alors. Je descends. Un. Et deux. On le refait. I. Accélération. Alors. Encore. I. Alors. I. Alors. Allez, maintenant, travail de coordination en dynamique. Premier exercice. Pied droit devant, bras gauche. Je pose le pied et le bras. Et je pose. Alors, on enchaîne. On compte jusqu'à 20. Pieds serrés. On écarte les jambes, on monte les bras. Et on revient. On le fait 10 fois. I. Or. San. Se. Ou. Yo. Chi. Ba. Chou. Che. On écarte les jambes. Bras gauche devant. On croise, on met le bras droit. On décroise, bras gauche. On croise, bras droit. On décroise, bras gauche. On croise, bras droit. On décroise, bras gauche. On le fait par deux. Droite, gauche. Droite, gauche. Droite, gauche. N'oubliez pas de changer le croisement. Droite, gauche. Droite, gauche. On fait par quatre. I. Alors, San. Se. Le dernier, Wu. Ok, bravo. Allez, maintenant on va faire flexion, pompe, abdos. Donc, 10 flexions, ça ira très bien. Si vous voulez en faire que 5, vous en faites que 5, c'est pas de souci. Allez, on se met les mains plutôt en garde, comme ça on travaille aussi le combat. I. Alors. San, se, ou, yo, chi, ba, cho, che. Pas mal. Allez, on va lever le genou 5 fois de chaque jambe. I, e, san, se, ou. On change. I, e, san, se, ou. Les abdos. Alors, on va d'abord les pompes. Pardon. Alors, on peut en faire jusqu'à 20. Même si vous en faites 5, c'est bien aussi. Pensez à serrer le ventre, pensez à serrer le fessier pour être bien guéri. Cache. Ok, abdominaux. J'ai compté, j'en ai fait 5 de plus. À tout. Alors, on commence par le rameur. Qui vient bien le menton au niveau du buste. Je garde le menton toujours comme ça. Ne posez pas la tête au sol. Allez, on lève le genou et on lève le buste en même temps.
Maintenant, on fait les jambes. I, E, S, S, U, Y, Chi, Ba, Kyo, Che. De profil, on va faire la jambe gauche. Je monte le buste sur le côté et je monte mon genou gauche. I, gardez bien la jambe dessous pliée, la jambe dessus tendue. Et elle se plie quand on monte. Si on n'y arrive pas, il est avec le bras. I, E, San, So, Wu, Yo, Chi, Ma, Kyo, Che. On change de côté. Bras gauche, pied gauche en dessous, pied droit au-dessus, la jambe tendue. I, E, San, So, Wu, Yo, Chi, Ba, Cho, Che. Croisez les jambes. On écarte les genoux. Les pieds plus hauts que les genoux. Ne mettez pas les pieds vers le bas. On va croiser le coude gauche au genou droit. I. Et inversement. E. Sa. Se. Wu. Yo. Chi. Ba. Cho. Che. I. E. Sa. Se. Wu, Yo, Chi, Ba, Kyo, Che. Bravo. Pied à plat. Main sur les épaules. On lève le menton. Maintenant, on va lever le buste. 30 fois. Pensez à expirer à chaque fois. On y va. On pourra en faire 100 de cela, c'est plus facile. On bloque. On relâche. Et on remonte. Donc on a fait une série. On relâche. Une minute. Relâchez. Respirez bien. Je vous ai dit que si c'est un peu dur, réduisez. D'accord? Vous voyez que 10, les abdos, c'est un peu trop dur. Vous en faites un peu moins. On s'arrête un mois, donc ça peut jouer. Courage et persévérance. Allez, on va faire la deuxième série. C'est bon? On écarte. 10 flexions. Allez, je compte. I, E, San, Se, Wu, Yo, Chi, Pa, Kyo, Che. Relâchez. On met les mains au sol. On va lever le genou 20 fois. Comme ça. Et je lève le genou 20 fois. Ne gardez pas les fesses en bas. Montez les fesses. On y va. Les pompes, comme tout à l'heure, de 5 à 20, très chaud. Abdos. Alors les abdos, on va faire des différents. Ça dépend de votre souplesse. Pareil, si on n'arrive pas à le faire entier, c'est pas très grave. D'accord? On va commencer par le sandwich. C'est un bon exercice. Vous allez travailler tous les abdos, de haut en bas, et surtout ça assouplit le dos. Je vous tends les bras et les jambes. Je monte les jambes à 45 degrés. Et elles ne vont pas descendre plus bas. Je peux les plier les jambes, il n'y a pas de souci. Et ensuite, je ramène les pieds vers les mains. Et on revient. C'est bon? Il faut gainer. Surtout, il faut pousser dès le début. On serre bien les abdos et on souffle. I, E,
Se. Wu. Liu. Chi. Ba. Kyo. Che. C'est pas mal. Encore. I. E. Sat. Se. Wu. Liu. Chi. Ba. Kyo. Che. On bloque. On revient pour les mains plus ou on croise. Alors, on va pousser les jambes à 45 degrés vers l'avant. Je plie et je monte comme en chandelle, une petite chandelle. 1, et 2, allez. I. 1. 7. Se. Ou. Lui, on commence à souffler. Chi. Ba. Chou, chou, encore, i, e, sa, se, wu, liu, chi, ba, chou, chou. Bravo. Allez, troisième exercice. Claquement sous une jambe. On n'en fait que 10. On tend. J'ai monté mon buste. Levez une jambe, claquez sous la jambe. Allez, on est prêt. I. 1. 4. 5. Wu. Liu. Chi. Ba. Chou. Chou. Allez, jambes pliées. On fait la série tout à l'heure. Mains sur les épaules. Je lève la tête et je monte le buste. 20 fois cette fois-ci. Tonique. Kaisho. Et tu bloques à la main. Et tu relâches. Et on se relève comme on veut. On se dit. Allez, troisième série. On fera que 10 flexions et les pompes. On fera banane. C'est bon? On respire bien. Allez, si tu transpires, c'est que c'est bon, c'est que tu as forcé. Si tu as mal au ventre, c'est que tu as forcé sur les abdos. Donc c'est bien aussi. D'accord? Si tu as pas mal, c'est que tu es ou très fort ou que tu n'as pas forcé. Allez, les flexions. Il en reste 10. Voilà aux oreilles. Kaisho. I. 1. 5. Se. Wu. Yo. Chi. Ba. Jo. Che. Bravo, c'est tonique. Allez, maintenant on va faire les pompes écartées. T'en fais comme tu veux. Quand t'en peux plus, là je vais en faire une trentaine, une quarantaine. Tu t'arrêtes. Tu gardes les bras tendus, comme ça tu travailles aussi le gainage. Donc là, les bras écartés. On est prêt? Pêche. Et courage. Allez, c'est très bien. Même si tu en as fait 10, c'est très bien. D'accord? Allez, on relâche le corps. Alors, le Kung Fu, à la base, c'est un équilibre entre le corps et l'esprit. D'accord? Il faut éprouver son corps. Si tu es fatigué, si tu souffres, si tu as un petit peu mal au muscle, c'est le Kung Fu. C'est exactement ça. Si tu transpires, c'est du Kung Fu. Alors, maintenant, on va travailler
C'est-à-dire qu'il reste un petit peu de jus. Et après, ce sera les étirements. On travaille. La grenouille, canard, gorille, serpillière et commando. C'est bon? T'es prêt? Allez, sur 6 mètres carrés. Donc, on fait 3 sauts. Allez, 3 sauts retour quand même. D'accord? T'es prêt? 1, 2, 5. Et tu changes. 1, 2, 5. Bravo. Le canard. Allez. On peut faire marche arrière. Le gorille. Souffle. Alors, on va faire le commando. Commando. On fait sur les mains sans poser le corps au sol. On va le faire à l'avant, je crois pas, et en arrière. Voici en arrière, d'accord? Allez, en avant, bras droit devant, jambe droite derrière. Et j'appuie. I. Je change. E. Je change le bras et la jambe. Sai. Et on inverse. Je recule la jambe droite, bras gauche. I. Je change le bras. E. Sai. Ok, pas mal. Serpillière. I. En arrière. Ok. Bravo. Vous avez vu, c'est rigolo à l'arrière, le commando. Donc, quand on n'est pas habitué, c'est un peu difficile. Bon, d'ailleurs, je fais, apparemment, j'ai fait que aujourd'hui. Allez, maintenant on travaille des étirements. Et après, il y aura une pause d'une minute pour aller voir. Arc et flèche. I, R, San, Se, Wu, Yo, Chi, Pa, Cho, tu bloques. Tu changes. I, R, San, Se, Wu, Yo, Chi, Pa, Cho, Che, on bloque. On change, on lève le talon. I, E, San, Se, Wu, Yo, Chi, Pa, Kyo, bloc. Change. I, E, si tu avales comme ça, tu mets la main au sol. D'accord? On bloque. Le parasan, le fessier vers le talon. Tu bloques. Et tu changes de côté. Tu bloques. Alors, on transfère le poids du corps. On transfère le poids du corps. On les met sur les genoux, on transfère le poids du corps. On transfère. Main devant. I. E. San. Se. Ou. Yo. Le dernier. Main. I. E. San. Ça arrive à attraper les pieds, attraper les genoux. San. Et se. Cavalier, étirement. En position du cavalier. T'attrapes les pieds. Tu plies les jambes et tu descends le bassin. On va porter le fessier plus bas que les genoux. Cavalier, étirement. Allez, talon devant. Je plie ma jambe de derrière, je prends ma jambe de devant. Et j'appuie au-dessus du genou. Attrape le pied. Donc, si tu as du mal à attraper le pied avec les deux mains, tu attrapes avec une main. Sinon, tu attrapes la cheville et tu tires bien les orteils vers la tête. Regarde bien la longe qu'on peut avoir. On peut aller jusqu'à là. Donc, on peut tirer. Pense bien à relâcher tes épaules. Si tu ne prends pas tes épaules, tu n'arriveras pas. Long bloc. On change de côté. En gauche, j'appuie
Le pied flex, à lui, les orteils vers la tête. On vient attraper le pied avec une main ou avec les deux mains. Si j'arrive pas, attrape la cheville, c'est bon aussi. Allez, tu lèves. Bloc. Et tu reviens. Le dos. Tendu. Tu montes et t'ondules. Ok, on serre le fessier. Les bras vers l'arrière, comme ça. Sur le côté, sans trop bouger la tête. Juste les épaules. Change. Les bras. On met la tête devant, si tu peux. Le dos droit, regarde. Donc, tu tiens le fessier dans le dos droit. Étends les bras. Tu plies, tu descends. Si tu n'arrives pas, pareil, tu plies comme ça et tu relâches, il n'y a pas de souci. Ne plie pas les jambes pour toucher. Garde bien les jambes tendues. Sur un côté. On change de côté. On plie les bras. On attrape les coudes. On ramène les coudes vers les pieds. On attrape les chevilles, si tu peux, ou les genoux, descends la tête vers les genoux. Puis les jambes, on monte le dos. Allez, tu as fait un très bon échauffement et de l'étirement aussi. Je te laisse une minute pour aller voir. À tout de suite. Bon, ça va? On est remis? Bon, c'était un petit échauffement, hein. C'est un échauffement intermédiaire. Avec les gradés, je les pousse un peu plus. D'accord? J'espère que vous avez trouvé aussi quand même ce qu'il fallait dans l'échauffement. C'est pas trop simple pour vous, mais c'est toujours bien de s'entretenir. Je rappelle juste une chose. Ceux qui ne sont pas arrivés à tout faire, ne soyez pas frustrés, ne vous dites pas que vous n'avez pas de conditions physiques. D'accord? Parce que déjà, on n'a pas fait pendant 3 semaines. La deuxième chose, il faut s'habituer à faire. D'accord? Donc, les débutants, il ne faut pas désespérer. Alors, on travaille un exercice, on va s'en servir pour la self-défense tout à l'heure, parce que j'ai prévu coordination et en plus des jibengong, 3 jibengong, dont un qui est intéressant, vous allez voir. Et ensuite, des enchaînements qu'on connaît, qu'on sait déjà faire. C'est l'enchaînement simple de débutants, donc tout le monde pourra les faire. Et puis, les débutants, vous allez pouvoir travailler un autre exercice. C'est bon? Et après, les techniques de self-défense qui vous plairont. Donc, on aura fini à 8 heures, comme j'avais dit. C'est bon? Alors, l'exercice de coordination, c'est l'exercice qu'ils font au temple Shaolin, toujours pareil à l'échauffement, ils le font toujours à l'échauffement. Donc, on se met dans cette position-là, lancer mon bras gauche en arrière, puis mon bras droit. Ensuite, je vais tourner mon corps et lancer mon bras gauche vers l'avant, puis le bras droit. Comme si on nageait. Donc là, je nage 2 fois en crawl arrière, gauche, droit, et ensuite, je nage en crawl avant, gauche, droit. Alors, je vais reculer un petit peu, regardez bien mes talons. Je vais en arrière, je lève le talon droit.
Là, je vais tourner mon corps, lever le dos de la bouche. Et vous allez voir que c'est important pour être droit. Encore. I. E. Gauche. Droit. Gauche. Droit. I. E. San. Su. I. E. San. Su. I. E. San. Su. On change de côté. Avec le droit en premier en arrière. Droite. Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Deux en arrière. I, E. Deux en avant. Avec le tour en premier. I, E. Encore. Deux arrière, deux avant. Arrière, avant. Ok, relâchez. Donc, on va s'en servir. Je vous montrerai l'application. Tout à l'heure, il y a Samy qui va intervenir dans le cours. Je vais vous montrer l'application de cet exercice et on pourrait le faire en self-défense. C'est super intéressant. Alors, on va travailler les Jibengong. Et donc là, pareil, je vais vous montrer. Premier Jibengong, c'est les Jibengong de coup de pied. Donc, regardez, c'est celui-là. Je mets ici en position. Je vais faire coup de pied à la lune, coup de pied vers l'intérieur, coup de pied vers l'extérieur et coup de pied sur le côté. Donc, je remonte. Coup de pied à la lune. Coup de pied vers l'intérieur. Coup de pied vers l'extérieur. Et là, coup de pied de côté. Je vais monter mon bras droit sur le pied gauche. Encore. I. E. San. Se. Le bras en dessous. C'est bon, on change de jambe. Coup de pied à la lune, jambe droite. Intérieur. Extérieur. Sur le côté. Encore. I. E. San. Se. Dernière fois. I. E. San. Ok, relâchez. Ça, c'est les 10 bengong de coup de pied. Donc, si on avait le temps, on en ferait 10 de chaque jambe. D'accord? Relâchez. Maintenant, on va faire les 10 bengong de base. Le premier, c'est Ma Wu Tangyan. En chinois, cavalier et tendre les bras. Ça vient d'un exercice des moines Shaolin qui allaient chercher de l'eau à la rivière avec des seaux. Ils prenaient des sauts comme ça à bout de bras, ils allaient chercher. Et c'est devenu Mabou Tangyan. Vous, mon exercice, Mabou, c'est le cavalier. Donc, je mets ici. Un. Cavalier. Bloqué. Fauché. Cavalier. Coup de poing. Bloqué. Fauché. Cavalier. Coup de poing. Je le montre plus rapide. Et après, je le montre. À quoi ça correspond? I. E. Alors, je vais montrer une application avec Samy, mon élève, ceinture noire. Là, c'est Samy. Allez. Donc, Samy, je peux te mettre là. Samy va me donner, alors, j'ai plusieurs applications. Je vous montre l'application d'abord sur un coup de pied circulaire au visage. Bloqué. C'est une protection. Avoir des bras solides. Le même exercice, celui-là, il me donne coup de poing au visage. Coup de poing droit. Bloqué. Regardez, s'il me donne coup de poing gauche, de l'autre côté. Bloqué. Et c'est une grille. Si j'appuie fort aussi, ça fait mal. Deuxième exercice. Samy, il a une jambe devant, mais il a la jambe gauche devant. Samy, voilà. Donc coup de poing gauche, pareil. Point gauche. Je bloque ici, c'est un fourchage. Je vais faire l'adversaire au sol. Si maintenant Samy, mon adversaire, voit le fourchage, il va lever la jambe. Donc, il fait coup de poing. Je bloque, il lève la jambe, j'appuie sur la jambe, ici, pour faire tomber l'adversaire. Et ensuite, coup de poing visage. D'accord? Donc, ça, c'est un fauchage, le pied. C'est aussi écraser la jambe de l'adversaire. Cette technique-là, se protéger. Si je reçois un coup de pied,
je remonte vers les coups de pied. Protection. Et si c'est un coup de poing, plie. Le poing gauche. Plie. Tiens, c'est ça. Allez, on va le refaire ensemble. Et après, on passera au deuxième exercice. Allez, on refait. Donc, cubeille. Ici, poing sur les côtés. Je reçois un coup de poing. Blocage. Fauchage. Écraser la jambe de l'adversaire. Coup de poing. Je reçois un coup de pied. Blocage. Fauchage. Pied. Poing. Il. 1. Voilà, les poings sont plus hauts que les épaules. Il ne faut pas avoir les poings en bas. Mabou, tant bien. Allez, on le refait. Position. B. I. On reste en bas. 1. On change de côté. I. 1. Bravo. Mabou Tambien, c'est le premier des 18 Jibengong de base. On va voir le deuxième. Il n'est pas fatigant du tout. Par contre, il est un petit peu dur à faire parce que c'est un double blocage. Et ça, au niveau de la coordination, c'est un petit peu difficile. Je vous le montre et après, je vous ferai l'application. Ils sont là. Ici. Et donc, le Jibengong, on va se retrouver dans cette position. Shufu, ça veut dire petit chat. Gedan, tranchant de main. Shufu, Gedan. Je déplace mon pied vers la droite. Je plie ma jambe gauche. Position Shufu. Je pas dans le pli. 1, 2, je plie et je tranche. 1, vers l'avant. 2, pile l'avant. Je croise les bras. 3, je pose à peine le pied en Shufu et je tranche. 1, 2, 3. On refait. B. 1. 2, 3, 4, et on relève. Je vais le faire de dos, et après une fois de face. Allez, de dos, on part en chute des mains. Je me déplace vers la droite, et ensuite je plie la jambe gauche pour mettre le pied sur le dos. Je déplace le pied gauche, je lève la jambe droite pour la pose. I, 1, le pied pas à pas, ici, donc je pars plus en position déjà, I, déplacement désaxé, tranchant, 1, San, So, Shufu, Gedan. Donc c'est le moins fatigant des 18 Jibengong, c'est pour ça que je l'ai choisi. Mais c'est un des plus durs à faire parce que il faut travailler la coordination et surtout l'équilibre du poids du corps. Il ne faut pas mettre le poids du corps vers l'avant, il doit toujours rester vers l'arrière et c'est ce qui est difficile. Je vais montrer avec Samy l'application. Allez, Samy m'attaque, coup de poing droit au visage. Blocage. Je monte de l'autre côté et après je rentre droit dans. Coup de poing gauche. Coup de poing droit, je vais m'en ralentir. Regardez, on va le mettre un petit peu. Coup de poing droit. Je me décale, je bloque le mouvement. 2, je plie la jambe et je tranche à nouveau. Double blocage. Ça peut être aussi une frappe. Regarde, Samy me donne coup de poing droit. Je me déplace. 1, tranchant. Regarde, tranchant la tête, tranchant aussi, tranchant au foie ou dans les côtes. Ça peut être, et ça peut être aussi un blocage, un double blocage. J'empêche Samy de rentrer sur le côté. Donc, je remonte, regarde, déplacement de côté, blocage, ou alors frappe, un ou deux. Merci, Seb. Shufu Gedan. On le refait. Allez. Donc, j'imagine un coup de poing qui vient. Je me décale sur le côté, je bloque et je tranche. Je reçois un coup de poing qui vient. Je me décale sur le côté, je bloque et je tranche. On le refait, un coup de poing qui vient. Je décale, je désaxe, le point est bien ici. Je vais sur le côté, ensuite je vais bloquer le coup, et ensuite armer pour trancher ou pour frapper. Dans l'application, je peux aussi frapper. D'accord ? 1,
Allez, si tu n'es pas bien arrivé, tu pourras le faire quand tu vas réviser. Au lieu de poser le pied au sol, tu ne le poses pas du tout. Tu peux le faire comme ça. C'est comme ça que je montrais les élèves qui n'arrivaient pas à comprendre le pas dans le vide. Donc, on fait la même chose. Hein, et là, au lieu de faire « chute », je reste en héros. Je reviens. Deux. Je reviens. Trois. D'accord ? Et si tu fais comme ça, si tu sais faire ça, tu sauras faire ça. Chupou, que dalle. Alors, troisième exercice, c'est un exercice qui est intéressant parce que on rentre dans les techniques d'animaux, c'est la technique du coq, le jibing gong du coq. D'accord ? Donc, il est intéressant parce qu'on peut le placer en combat. Et en self-défense, c'est un peu plus dur, mais en combat, on peut le placer en boxe chinoise ou en combat même traditionnel. D'accord ? Technique du coq. Ici, je demande d'abord rapide et après je décompose. Je remonte. Je décompose et je monte l'application. Ici, je reçois un coup de pied, je bloque, je viens frapper la jambe d'appui de l'adversaire et pousser l'adversaire. Je pose mon pied, je reçois un coup de pied, je bloque, je viens chercher la jambe d'appui de l'adversaire en tirant la jambe et je pousse. C'est bon? Allez, je rentre l'application avec Samy. Alors, je l'avais dit, Samy, qu'il allait sûrement tomber toutes ses techniques. D'accord? Samy va faire son coup de pied direct, jambe gauche. Donc, moi, je lui laisse en position. Coup de pied direct, jambe gauche, blocage. On remonte. Regarde. Blocage. Comme le jibing gong. Et la deuxième technique, c'est le fauchage. Et la poussée, c'est là. D'accord ? Si je ne veux pas faire tomber comme ça, je peux le faire autrement, sans soulever l'adversaire. Coup de pied, hein, et là je rentre. Vous avez vu ? Je ne l'ai pas fauché. Sinon, la technique, c'est faucher. C'est une très bonne technique de combat. Quand je suis dans le combat, je dois être comme ça et placer l'adversaire. En boxe chinoise, ça se place. D'ailleurs, mardi, on fait un cours de boxe chinoise. Vous voyez qu'il y a des techniques traditionnelles qui vont rentrer dedans. Le jibing gong du coq. On le refait ? Mais je reçois un coup de pied direct de gauche. Je déplace mon pied gauche et le bras droit. Donc, je souviens, pied gauche, bras droit. Et là, je vais faucher la jambe de mon adversaire avec ma jambe droite. Et je pousse avec ma main gauche, en même temps que je fauche. Je remonte. Un. Fauché. Je pose le pied. Deux. Je bloque. Fauché. Je bloque, je pose le pied. 3, je bloque un pied, fauché. Là, on le fait sur 3 mètres. Si tu le fais sur 10 mètres, ça sera très bien aussi. D'accord ? 3 mètres d'exercice, ça perd. Voilà. Pour le niveau débutant, c'était un petit peu dur. Niveau intermédiaire, il n'y a pas de souci, et dégradé. Je pense que c'est bien de réviser aussi la technique du coq. On peut imiter le coq, la crête du coq, c'est devant, poussé avec la paume de la main, et derrière la queue du coq, en couchou. Couchou. Crête du coq. D'accord ? Et on frappe avec ça, paume de la main. Quand on frappe, quand on travaille avec la technique du coq, je vais monter mon bras quand je vais faucher. C'est ça qui fait tomber l'adversaire en bascule. C'est pas que le fauchage, parce que si l'adversaire est bien plus lourd que toi, tu n'arriveras pas à le faucher. Mais c'est les deux en même temps, simultanés. Ce qui fait, ça s'appelle un effet de synergie qui fait que ça va accumuler ta force et faire tomber ton adversaire. Dernier, jibing gong. Jibing gong très intéressant pour les arts martiaux, pour le kung fu, pour les tao, pour les enchaînements. C'est le jibing gong du regard. Allez, je te montre ça. D'abord, je te montre normal, vitesse normale, et après, je décompose. T'as eu le temps de voir? Je remonte. Jibing gong du regard. C'est pour avoir un regard vif, les yeux très rapides, face à un danger. Dans le Tao, quand tu pratiques le Tao et que tu vois tes adversaires, c'est hyper rapide. C'est pour ça que c'est important. Alors, on décompose. Ubei, regard à gauche, jambes écartées. Je vais lancer mes poings en regardant en face, puis mes tranchants. Je remonte. Un, deux. Ensuite, je vais regarder à droite en tendant les bras sur les côtés. Je vais regarder en haut en montant mes mains. Et tout en même temps, les deux mains en même temps. Je vais regarder à gauche en descendant les mains. Je garde toujours les mains droites.
Et ensuite, je regarde à droite en faisant les doigts couchés. Et paume de la main. Regard à droite. San, regard en haut. Se, regard à gauche. Wu, regard à droite. Et tu plies les mains. Ça s'appelle Kucho. Et ensuite, tu ramènes les poings sur les côtés et tu regardes en face. Et tu relâches. Le Jibeng Gong du regard. B, I, E, San, Se, Wu, Yo, Chi. On relâche. Allez, je vais compter un peu plus vite. On va le faire trois fois. B, I, E, San, Se, Wu, Yo. B, I, point, main, 1, droite, haut, gauche, droite, face. Le dernier. B, I, 1, San, Se, Wu, Lio. Et tu relâches. D'accord? T'as vu, je l'ai fait rapide tout à l'heure. Je pourrais ensuite le faire rapide. Je remonte une dernière fois avant de changer d'exercice. Le Jibeng Gong du regard. Très intéressant. D'accord? Et c'est pas fatigant. C'est juste, ça épuise la tête parce que, et ça travaille aussi les muscles du cou. C'est bien parce que ça travaille quand c'est une bonne musculature. On a toujours mal quand on est face à l'ordinateur, toujours penché à regarder la télé, à regarder son téléphone. Bah là, vous aurez les muscles pour vous soutenir. Maintenant, on travaille les enchaînements. Donc, j'ai prévu plusieurs enchaînements. On va travailler deux enchaînements parce qu'on n'aura pas le temps. Donc, on va travailler l'enchaînement d'abord du serpent. C'est le plus simple, ce que j'apprends aux enfants, même aux bébés. Arts martiaux, je leur apprends, donc ils savent bien le faire. C'est l'enchaînement le plus facile. Et ce qui est bien aussi, pareil, c'est les techniques d'animaux. Vous savez que dans les techniques d'animaux, il y a la grue, le serpent, le léopard, le tigre et le dragon. Alors là, on fait la technique du serpent. Mais on écarte la pointe des pieds, puis les talons, puis la pointe des pieds, puis les talons. On se met en cavalier, on va croiser les bras, bloquer haut, croiser les bras, bloquer bas. Je regarde à droite, bloquer à droite, en ouvrant mon pied légèrement. Je regarde à gauche, blocage à gauche. Je regarde en face, je tends ma jambe droite et je pique avec la main droite. Je tends la jambe gauche, je pique avec la main gauche. On arme, cavalier, prieur. Et on revient. B, I, pointe, talon, point, talon. 1, bloqué haut, en croisant. Bloqué en bas. Bloqué à droite. Bloqué à gauche. Pique droit. Pique gauche. On arme, cavalier, prieur. Et on revient. Encore une fois. B, I, pointe, talon, point, talon. 1, bloqué en haut. Bloqué en bas. Bloqué à droite. Bloqué à gauche. Pique droit, pique gauche, cavalier, prieur. Et on relève. Alors, je le refais un peu plus rapide et après je te montre l'application. B, I, le déplacement. 1, l'enchaînement du serpent. C'est le petit enchaînement. Je montre avec Samy à quoi ça correspond. Allez. La première technique, Samy vient de saisir les épaules. Bloqué. Samy va déjà saisir les épaules. Bloqué. J'enlève les saisies. Pareil pour le bas. Il vient me chercher. J'enlève. Il me saisit. Je recule. J'enlève. Coup de poing au visage. Double blocage. Coup de poing au visage. Double blocage. Ensuite, c'est les deux piques. Pique au corps, pique au corps. Ensuite, étranglement. Armé, prieur. Hop, regarde, je vais me pousser la tête. Une très bonne technique de self-défense. Merci, Seb. D'accord? Armé, prieur. Celle-là, elle est bien. Alors, je remonte juste celle-là, Samy. Pour armé, prieur, si vous voulez le placer en application, parce qu'elle est assez dure. Si l'adversaire, il serre très fort, on ne peut pas plier le bras comme ça. Regardez, s'il a les bras tendus, Samy, bien puissant, on ne peut pas. Il faut aller chercher vers l'avant et plier les coudes de Samy. D'accord? Sinon, ça ne marchera pas. Si je viens avec l'adversaire le plus puissant, il faut aller vers l'avant, plier et descendre. Merci. C'est bon pour cet enchaînement? Alors,
On va faire maintenant l'enchaînement. Je voulais faire l'enchaînement de Shaolin. Donc, on peut essayer de le faire. Vous allez voir, c'est un enchaînement qui est ludique. Donc, je montre. Ici, j'avance le pied, j'avance la jambe et je recule la jambe. Deux façons de faire. Si je suis assez souple, je fais le grand écart. D'accord ? Après, je fais le grand écart. Là, je tends la jambe. Sinon, on fait l'équerre. L'équerre, c'est ce que je préconise au début. On est comme ça. On va tourner sur les fesses en regardant toujours devant. Donc, je suis sur le ventre. Je passe mes jambes à l'intérieur ou légèrement sur le côté. Et je passe les jambes pour les ramener vers l'avant. Ensuite, je vais tourner mon corps et lancer les jambes en cercle. La jambe droite, la jambe gauche. Et ensuite, je vais plier ma jambe droite et plier ma jambe gauche pour remonter. Donc, on ne fera pas la roulade aujourd'hui parce qu'on a très peu d'espace. Et on remonte. Allez, je vous montre l'enchaînement comme on le fait. D'accord ? Comme on le fait normalement. Et après, on tirera les deux. Et là, on rajoute la roulade. À la maison, on ne fera pas la roulade. C'est bon? Allez, on le fait. En position. On est droit. Un, je regarde à droite et je déplace mon pied droit. Ensuite, je déplace mon pied gauche et je tends mes bras. Je regarde en face. Je le refais. Face à vous. Un, deux. Je le refais maintenant derrière vous, comme ça on va enchaîner. I, E, ça, j'avance le pied gauche. Je lance la jambe droite et je recule la jambe. Donc là, je vais faire un équerre. Et de là, je vais tourner sur mes fesses. Pour pas que je regarde derrière, je vais toujours regarder devant. Hop. Et ensuite, je vais passer les jambes à l'intérieur. Je peux le faire en deux temps. Si j'arrive pas en même temps, c'est un petit peu dur. Je peux faire un et deux. Et ensuite, je vais faire les jambes en cercle. Pareil, c'est un bon travail pour assouplir les jambes et un bon travail de dynamique des jambes. Donc, je lance ma jambe droite, puis ma jambe gauche. Regardez. Je bascule le corps. Je plie ma jambe droite et je plie ma jambe gauche. Et là, ça me bascule en avant pour faire la roulade. L'enchaînement de Shaolin. On le refait une fois, vous faites côté. Bec. I. Et gauche devant. Un. Plus bien la ligne. Équerre, en reculant. Sale, je tourne sur mes fesses en regardant devant. Vous, je passe à l'intérieur ou légèrement sur le côté. Lio, tourne le corps. Dans ma jambe droite, ma gauche, ma droite pliée. Et là, j'arrive vers l'avant, prêt à faire la roulade si j'ai la place. Et si je sais faire la roulade. Allez, on a vu trois enchaînements, c'est pas mal. Enfin, deux enchaînements, pardon. Allez, donc il nous reste quelques minutes, on travaille, je dis, à self-défense. Donc, on va faire la self-défense par rapport à ce qu'on a vu, l'enchaînement, le mouvement de bras. Vous allez voir, c'est une très bonne technique de coordination et aussi de self-défense. Je vais montrer avec mon partenaire Samy. Donc, si vous avez à la maison un compagnon, un camarade, quelqu'un qui peut le faire avec vous, vous le faites, d'accord? Sinon, je vais montrer d'abord le mouvement dans le vide et ensuite je montre avec Samy, je ferai exactement, je ne changerai pas de mouvement. Je fais exactement le même. Seulement, quand il y a quelqu'un devant, ben, on arrive plus à le faire. Donc là, je suis ici, dans cette position, comme ça, si vous voulez faire cette défense. Un et deux. Le mouvement qu'on a vu finit jusqu'à là. Je remonte, regardez. Montre avec Samy. Samy me saisit avec le bras droit. Et je vais bien regarder aux extrémités. Sur mon corps ralenti. Je vais bien sur le côté. Je lève mon talon. Comme dans le mouvement. Je monte le bras droit le plus haut possible. Dès qu'il est tout en haut, le bras droit, avec la tête, j'ai tout mis mon corps. Voilà. Et là, regardez, si je continue, je descends mon bras, ça fait une clé de bras. Si je vais très vite, on peut casser le coude. Je monte de l'autre côté. Vous saisissez avec l'autre bras. Regardez. Un. Je monte bien mon bras le plus haut possible et le plus perpendiculaire à lui. Si je viens comme ça sur le côté, je risque d'être empêché ou d'être bloqué avec le bras de mon adversaire. Donc, je me fais le plus perpendiculaire possible.
ici. Et je monte l'épaule et je lève le talon. Vous avez vu? Et quand je suis tout en haut, je vais tourner mon corps. L'adversaire, il va lâcher, obligé. Et là, je continue à tourner mon corps. Je tourne mon bassin. Et ça fait la vie. Regardez. Un, deux. Très bonne technique de cette défense. Allez, deuxième technique de cette défense. Merci, Samy. Deuxième technique, c'est la technique de base. Quand je montre à mes cours de cette défense, je montre cette technique-là en premier. C'est une technique qui permet de bloquer la plupart des coups, au moins 90% des coups dans la rue, vous pourrez bloquer avec un seul blocage. Je ne plaisante pas. Donc, c'est ce blocage-là. C'est ce qu'on a fait au début du cours à l'échauffement. Seulement, je me mets en position de combat, en position prise pour me défendre, et je vais monter mon bras dans cette position. Faire un, ici. Donc là, je vais enchaîner le mouvement. D'accord? Je vais mettre un coup vers l'avant, tourner mon corps et déplacer ma jambe. Et vous allez voir ce que ça fait. Je remonte doucement, on le fait ensemble. On lance le bras gauche vers l'avant. Ici, je plie. Coup de coude. Ici, faites attention si vous êtes avec quelqu'un, ne pas le toucher. Déplacement du pied, pivot. On le refait. I, E, San. Regardez, on fait avec Samy. Je suis ici. Samy, viens. Alors, il faut qu'il aille juste au visage. Samy, comme s'il mettait un coup au visage. Vas-y, Samy, on va faire un exemple. Ici, vous avez vu, le coup de poing vient jusqu'à là. S'il s'arrête 30 cm devant parce qu'il n'est pas touché, ce ne sera pas de la seule défense. Donc, coup de poing, comme si vous voulez me le mettre, on devrait. Regarde. Je bloque ici. Coup de coude, déplacement. Et rotation pour faire tourner mon adversaire. Je fais de l'autre côté. Coup de poing, je monte bien le bras. Regardez. Et c'est vers là. Le plus important, c'est ça. J'attends pas le coup, c'est pas ça. Si je bloque le coup et qu'il est plus fort que moi, je risque de le prendre. Donc, je vais avancer sur le coup et monter mon bras pour me protéger. Je me protège, allez, comme ça. Je ne vais pas bloquer le mouvement, je vais me protéger. Coup de poing, allez, protection. Ici. Je mets un coup en avant pour passer ma hanche. D'accord? Je pourrais ne pas mettre de coup, mais c'est bien si je mets un coup comme ça, ça empêche l'adversaire de réfléchir et de pouvoir mettre un coup. Et là, je déplace mon pied vers l'arrière, comme ça, et mon bras gauche qui est ici, je le descends. C'est ça qui fait tomber l'adversaire. Donc, si vous le faites avec quelqu'un, ne le faites pas tomber. Comme ça, parce que sinon, sauf si vous avez de l'espace, bien sûr. C'est bon? Je remonte une dernière fois. I. 1. 4. Merci, Samy. On le met dans le vide. Je reçois un coup de poing. I. Je bloque. 1. Coude. San. Déplacement du pied. Pivot. Je tourne bien le corps. Regardez, je tourne ma hanche. C'est la hanche qui va donner votre puissance. Je fais de l'autre côté. Je reçois un coup de poing. 1, 2, 3. Déplacement. Et j'ai l'adversaire au sol. Dernière fois. 1, 2, 3. Voilà. Et ça, quand vous le répétez, bah, faut le faire. Faut penser qu'il y a un adversaire qui vous met un coup. Quand quelqu'un vous met un coup, faut au moins aller à la même vitesse que lui. Ou en reculant. Ou en bloquant, d'accord? Sinon, le coup, vous le prenez. Donc, on doit être pris. Ce qui est important, c'est le positionnement des jambes. Je regarde le mouvement. Quand mon agresseur va faire un mouvement, je vais le voir, c'est comme en combat. En combat, quand on est concentré sur l'adversaire, on voit que l'adversaire va bouger, donc il va mettre un coup. Et là, on peut le voir. Donc, il va mettre un coup. Je vois sur le déplacement du corps, prêt à mettre un coup, je rentre et je bloque. Et je puis. Et ça me permet de pouvoir mettre un coup. Alors, j'espère que vous avez bien aimé le cours. J'avais prévu d'autres techniques, mais on va se revoir bientôt. Je prévois de refaire en cours en live et de changer bien sûr le contenu. D'accord? Comme ça, je vous montrerai d'autres enchaînements. J'espère que les gradés, ça vous a plu. Et je sais votre connaissance technique, donc aujourd'hui, c'était des révisions. Les débutants, pareil, j'espère que ça vous a plu parce que c'est pas évident. Quand on commence et qu'on travaille aussi fort, parce qu'il y a beaucoup de mouvements. Je vous l'ai dit, quand on est débutant, au début, c'est voir les mouvements, s'imprégner des mouvements. Et des fois, peut-être que vous allez les comprendre ce soir, après le cours, ou peut-être demain. Ah, j'ai compris le mouvement. Ça s'appelle digérer les techniques. Vous avez emmagasiné, je vous ai montré beaucoup de techniques. Et puis, après, c'est la digestion. La digestion, c'est la mentalisation. J'essaie de mentaliser comment j'ai appris, essayer de le refaire. Et après, ça va passer.
Donc, bon, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, ben, likez. Alors, le cours, je ne l'ai pas fait tout seul. Je remercie Samy qui m'a aidé. Mais ça, c'est important de montrer une application. Et je remercie Jasmine. Sans Jasmine, je n'aurais pas fait YouTube, tout ça. C'est une bonne idée. Et je remercie Priscilla, ma secrétaire aussi, qui a fait la publicité. Et c'est aussi votre secrétaire. Donc, qui a fait la publicité. Bon, j'espère que ça vous a plu. Likez, voilà. Je vais mettre un pouce, c'est ce qu'a dit Jasmine. Et puis, voilà. Que vous dire de plus? Abonnez-vous. Voilà, Jasmine m'a dit qu'il faut s'abonner. Voilà, par rapport à YouTube, je n'ai pas bien compris, mais bon, si vous pouvez vous abonner, abonnez-vous. C'est gratuit. Ça ne mange pas de pain. Bon, je vous remercie et je vous dis à bientôt. Vous allez voir, vous aurez une surprise d'ici une quinzaine de jours. Je prévois, parce qu'à mon avis, je vous ai dit qu'on va rouvrir le centre, je ne pense pas au mois de décembre, mais plutôt début janvier. Vu les restrictions, vous avez vu comme ils nous font peur. C'est vrai qu'ils disent, bon, on va laisser les gens déconfiner et aller vous entraîner. Ça m'étonnerait. Donc, j'ai prévu quelque chose et un cadeau que je vous offrirai. Et vous allez voir, si je vais faire une formation en ligne, vous faire une formation pour utiliser ce que je vais vous offrir. D'accord? À bientôt. Merci beaucoup. Allez, B. Je lis. Merci. Bravo, tu t'es bien entraîné. Et si tu as des courbatures, demain, c'est normal. Tu ne vas pas voir le docteur, d'accord hein. Tu penses bien à boire ce soir. Et puis après, on se revoit bientôt. N'hésite pas à refaire le cours. Tu le regardes après demain et tu refais le même cours. À bientôt. Thank you.
Yeah.